Les affrontements entre les forces russes et ukrainiennes se poursuivent jour et nuit dans le district ukrainien de Bakhmout, dans la région de Donetsk. À Tchassiviar, à 10 km de Bakhmout, aucune maison n'a été épargnée et la ville est quasiment encerclée par les forces russes. L'immense majorité des habitants a été évacuée, mais ceux qui restent vivent au rythme des bombardements. Мне, как говорится, все равно. Мне спокойно пожить на пенсии. Все. Я в политику, я далекий от политики. И вообще, никогда я не занимался. И новостей сейчас не посмотришь никаких, потому что ни телевизора, ни радио. Dans son adresse quotidienne, Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à ne pas perdre de vue le chemin restant à parcourir dans cette guerre menée par la Russie. Le Premier ministre ukrainien, pour sa part, était reçu ce mardi par son homologue canadien. Une rencontre visant à moderniser le partenariat de libre-échange entre les deux pays et annoncer de nouvelles livraisons d'armes et de munitions à Kiev. En marge de cette visite, plusieurs sites internet officiels canadiens ont été ciblés par des hackers russes.